Salut tout le monde, I'm Dave. Je suis Sarah. And you're watching Danse Québec TV. This week we're at the So You Think You Can Dance Canada Montreal Auditions. Nous parlerons à un des juges, Jean-Marc Généreux, et à certains danseurs qui attendent depuis très tôt ce matin. So Québec, you think you can dance? Let's find out. How long have you been dancing, Danny? About 20 years. Over 20 years? Je danse depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Depuis que je marche. Ça fait 15 ans. What do you think it's going to take to set you apart from everyone else here standing in line? I think charisma. My ability to adapt. Je crois que c'est mon grand sens du spectacle. Je suis versatile. Mon expression. We have so much roots of wonderful dancing here, right here in Montreal. Pour peut-être pour la première fois de leur vie, ils vont danser en couple. Un gars et une fille, et puis les faire danser, toutes sortes de styles de danse. Ils savent pas de semaine en semaine qu'est-ce qu'ils vont piger comme danse. En tant que danseur, quel travail psychique et physique les danseurs doivent-ils faire, travailler sur eux-mêmes afin de survivre dans une compétition telle que celle-ci? D'être prêt à laisser le chorégraphe devenir l'architecte de la nouvelle, de nouveau style. What kind of dance do you mostly focus on? But I'm interested in lyrical and folk dance. J'ai ma formation complète en jazz, par contre, je fais aussi du hip-hop, du ballet classique, du moderne, de la plaquette, de la comédie musicale. Je fais du hip-hop, je fais de la danse contemporaine aussi, mais j'ai commencé avec le baladi. C'est ballet jazz, puis jazz, ballet classique, baladi. I usually have a mix between like jazz and contemporary. So you're about to go in. Yes. Are you nervous? I usually don't let it bother me. I just like stay in my center, my zone. I just like take everything out and just do what I have to do. Thank you very much and good luck. Yeah.